Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Regardez, je suis au Spoga Gafa ici à Cologne, au salon européen du barbecue. C'est un salon réservé aux professionnels. J'ai mon petit badge. Allez, je vous emmène pour aller voir toutes les nouveautés barbecue 2019 et 2020. On se retrouve dans les allées du Spoga. Alors, il y a toutes les marques qui sont là. Il y a du Napoléon, du Tramontina. C'est vraiment super. Regardez, juste ici, il va y avoir du Big Green Egg. Hey! Salut, ça va? Hein? Il y a du morceau ici. Voilà. On vient te voir tout à l'heure. D'accord? Ciao. Super, donc on voit les amis, c'est top. Il y a du Kamado Joe, il y a toutes les marques de barbecue. Ils ont des super stands. Regardez celui de Big Green Egg, il est vraiment magnifique. Il y a plein de nouveautés, donc j'ai fait un tour déjà hier. Et juste après, vous allez voir 3-4 produits que j'ai vraiment voulu mettre en avant pour vous montrer les nouveautés, les spécificités techniques. Regardez, c'est ça un morceau. Voilà, ça c'est un four brasero d'extérieur, c'est vraiment super. Donc 4 produits à mettre en avant normalement. Des belles nouveautés, il n'y a pas Weber, alors ne me demandez pas les nouveautés Weber cette année parce que leur hall où ils sont est en construction, du coup il n'y a pas les produits Weber cette année. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur les exclusivités Weber qui avaient été développées ici, notamment le E5770 et E5750. Ils n'y sont pas aujourd'hui, mais il y a plein de belles nouveautés. Allez, je vous fais voir toutes ces images. J'ai vu pas mal de barbecues. Ça, c'est une petite nouveauté que j'ai vue avec des vitres comme ça. Je pense que dans quelques années, on trouvera souvent des barbecues avec des vitres, en fait, tout simplement comme nos fours que l'on a. Avant, le problème, c'était que là, du coup, le créosote se mettait ici, donc avec les graisses et tout, on voyait rien. Mais maintenant, il y a des nouvelles technologies. Bon, ça se nettoie aussi, hein, et ça fait que l'on voit vraiment commencer. On n'est plus toujours obligé de lever le couvercle, faire des entrées d'air, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé plusieurs marques qui faisaient ça. Là, on est chez Rosle. Chez Rosle toujours, j'ai bien aimé ce barbecue type kettle comme ça, en mode fumoir. Ah, regardez. Et vous voyez, c'est en gros un peu un mix avec le Oscar. Vous voyez, il y a le truc pour suspendre tout ce qui est pour le fumage à froid, la petite charnière. On peut mettre plusieurs étages donc pour faire barbecue et fumoir avec la petite porte sur le côté. Il y a une énorme nouveauté chez Kamado Joe. Je vous mettrai le lien de mon pote Rohan qui a fait une vidéo pour expliquer le système Divide and Conquer ici. Donc ils ont tout repensé leur système à l'intérieur. C'est vraiment bien fait avec des systèmes de 2001, tout ça. Regardez qui y a ici. Pitmaster X, juste là. Voilà, donc ils travaillent beaucoup sur du Kamado Joe. Hop. Et en fait, la grosse nouveauté du salon, bah, c'est juste ici. Regardez, c'est le premier barbecue Kamado appelé. Ça, c'est la grosse nouveauté. Alors, on va les laisser prendre en photo parce que là, c'est toute l'équipe de Pitmaster X. Regardez, vous aurez les mêmes images que chez eux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ici le barbecue appelé. Donc, on peut mettre les pellets. Et à l'intérieur, on aura le meilleur du monde de la stabilité du pellet juste en gérant ici la température et la stabilité grâce à la céramique. Regardez, on va juste ouvrir. Voilà, donc on met ici. Et voilà, là il y a la vis sans fin. On arrive sur le stand de Napoléon. Ici, il y a Pierre-Marie qui nous attend. Alors regardez, le stand de Napoléon, il est vraiment, vraiment beau avec des beaux barbecues gaz comme ça. Salut! Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Alors ici, tu nous attends sur la gamme. Donc il y a 3 gammes ici. Hein, donc il y a la gamme Rogue, Prestige et Prestige Pro. Et ici, moi, ce que je voulais vraiment, en fait, c'était que tu nous montres à quoi ressemble la Rolls Royce d'un barbecue, quoi. Donc en effet, ici, on est sur la gamme Prestige Pro. Hein, donc Rolls Royce du barbecue au niveau de l'ensemble des marques. Avec notamment l'éclairage ici intérieur du barbecue. Des grilles en inox de haute qualité et puis notre nouveauté cette année le système mode disco d'éclairage, donc hey, c'est magnifique, qui permet ça justement de changer de couleur pour les cuissons nocturnes et d'avoir le logo. Ah non, mais j'avais pas vu ça, c'est trop bien. Voilà. Regarde, c'est marqué Napoléon ici.
Ça fait comme dans les Mustangs, quoi. Regardez-moi cette beauté. Moi, j'adore ça. Alors, je vous le dis souvent au Québec, là, mes amis de Barbecue Québec adorent les barbecues Napoléon. C'est vraiment le top de ce qui se fait en barbecue gaz. En plus, il y a la sizzle zone sur le côté. Alors ça, c'est le truc qui va venir de base presque dans quelques années, quoi. Et vous l'avez déjà depuis un petit bout de temps. Donc, en fait, ça monte à 980 degrés en moins de 30 secondes, hein, si je me souviens bien. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour une saisie parfaite des pièces de viande, donc ça peut le pendant justement des briquettes de charbon de bois. Ouais, voilà. Et voilà, donc là ça chauffe hyper bien. Et surtout, on peut faire par exemple des côtes de bœuf, les monter à 40 degrés, puis après on les prend, les snacks. Et regardez, ils ont pensé à tout. Moi, ça c'est un système que franchement j'adore. Parce que normalement, pour ouvrir un barbecue, bon, comme ça, la vis elle est là. Mais là, ils l'ont fait au milieu. Du coup, c'est beaucoup plus simple à lever. C'est une histoire de bras de levier. Ça se fait vraiment tout seul. Alors que celui-ci est hyper grand et hyper lourd, quoi. Et avec ces boutons, regardez la finition, le top. Ouais, et puis là, c'est le bac à bière, c'est ça? Exactement. On peut mettre les glaçons. Voilà. Ok. Bon, parfait. Et puis après, on retrouve. Donc, ça, c'était vraiment la. Hop. Ça, c'était vraiment la Rolls Royce. Et puis après, on a son petit frère ici, Prestige. Donc, tout à fait, la gamme Prestige. Prestige 500. 500 également. Donc, des clients 500, 665 et 825. Ah, et 825, il est énorme. Hein. Voilà. Avec notamment, donc, une nouveauté cette année, l'éclairage également des boutons. L'éclairage. Et quand le bouton est allumé, la lumière passe sur rouge également. D'accord. Avec les mêmes conceptions. Hein, la même conception. Voilà. Et puis là, le brûleur postérieur, donc là quand vous mettez ici votre poulet, ça fait exactement comme un poulet du dimanche matin. Donc voilà, c'est top. Exactement. Écoute, super, merci. Merci Raphaël. Et je continue ma petite visite et peut-être du Napoléon à la maison. Avec plaisir. Allez, ciao. Et regardez-moi. Yeah. Oh. Cette moto Napoléon avec les boutons ici. J'allais dire au revoir à Pierre-Marie, mais en fait, il m'a fait voir ce modèle-là. Alors, franchement, j'ai adoré. C'est un mix. On va dire que c'est un barbecue charbon avec un look de barbecue gaz. C'est-à-dire qu'on peut mettre du charbon ici. Donc, avec la rôtissoire, bah, ça va faire comme le grill postérieur. Ici, on va pouvoir mettre du charbon. Et surtout, tu as la poignée ici. Attends, mais fais-moi voir. Regarde, pour monter ou descendre pour que les braises soient plus ou moins hautes par rapport à la viande. Et après, tu fermes le couvercle. Pour avoir toujours l'humidité, le machin, le truc, quoi. C'est magnifique parce que je trouve qu'il a vraiment ce look de barbecue gaz alors que c'est un charbon. Et puis cette manette là, et j'ai l'impression d'être dans un tracteur John Deere comme ça. C'est magnifique, c'est en super qualité, hein, évidemment. Ah, j'adore ça, franchement j'ai jamais vu, mais j'adore. On se retrouve sur le stand Landman avec Nick, l'inventeur. Bonjour. Du LM800. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est un barbecue, brûleur céramique, vertical. Et j'ai très souvent des questions sur tout ce qui va être barbecue, cuisson verticale sur le blog. Donc, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce, en fait, ce modèle? C'est l'ancienne méthode de barbecue. Et moi, je pense que c'est né en France parce que c'est vraiment l'ancienne méthode de ramasser les jus, le blue beurre, tout ouais. Ce qui est bon. Ah oui, avec les sucres pour faire les sauces et tout. Exactement. Ça. Donc, là, on met notre aliment. Oui, ça c'est une corbeille qu'on peut l'ouvrir comme ça. Voilà, donc il y a différentes tailles. On peut mettre même des choses vraiment épais. Même ouais. Votre côte de bœuf de 800 degrés, ça va. Ouais, 800 grammes. Ok. Après, on a cette mesure de température. Ah, bah, parfait. Super. Et puis en plus, tu peux suivre ici, ouais. C'est Bluetooth. Tu peux régler la température. Ça c'est ignition. Ok. Et puis l'allumage. On a toutes les possibilités de régler, même de brûler le côté vertical, horizontal. Et alors fais-moi voir comment il marche, parce que moi ce que j'ai bien aimé c'est son autonomie. En fait il est totalement autonome. Normalement on a une. Donc il fait 8 kilos. C'est 8 kilos. Et c'est tout à fait transportable avec la cartouche de et gaz. Et regardez, il y a la cartouche de gaz qui fait que ça, vous pouvez le prendre au camping, au machin, vous pouvez le mettre partout. Minute, ouais, voilà, c'est ça, on est sur environ 1h30 d'utilisation. Et en plus, on peut le ranger. Hein, fais voir comment il se range, c'est magnifique ça. Parce que ça, c'est un brûleur vertical céramique, ouais. Qui est assez délicat. Là, donc on ferme les petites portes.
on met ça. Et parfait. Voilà, et on peut l'emmener. Hop, voilà. Super, allez, merci bien, merci pour cette démonstration. Au revoir. Toujours sur le stand Landman, on a une forte culture outdoor avec des bras zéro. Ici, il y a le Vincent 500, donc moi j'ai le 400 à la maison. Mais regardez, bon, il est toujours aussi magnifique avec la tôle épaisse, le Dutch oven, donc la cocotte, comme ça. Et on va aller retrouver Emmanuel sur le stand parce qu'il y a quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant sur le stand Landman. Salut Emmanuel. Ça va? Très bien. Oui. Alors, fais-moi voir ce super barbecue. Comment il s'appelle ce barbecue? Alors, c'est la gamme Triton, c'est la série des Tritons. Oui, voilà, moi, c'est ici. Ouais, c'est marqué ici. Tu voilà, vous avez la série en 3 feux, 4 feux. Derrière, nous l'avons en 6 feux. D'accord, 3 feux, 4 feux. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que maintenant, sur des barbecues à gaz, partout, on trouvera une zone avec un brûleur céramique. Exactement. Donc voilà, ça, c'est une nouveauté dans la gamme des Tritons chez nous. Le brûleur latéral sera en céramique. D'accord. Et après, du coup, on a trois feux. On a les lumières, l'allumage. Le rétroéclairage, la double paroi sur les portes, l'emplacement sur la bouteille de gaz. Lampe de 13 kg, exactement, qui n'est pas partout. Moi, je ne l'ai pas sur le mien. Voilà. Donc 13 kg. La grille de réchauffage. Exactement. Ici, avec des les grilles en fonte et vachement épaisses. Voilà. Avec la possibilité, sur le rond central, de rajouter les accessoires. Donc, tu as un wok, le porte-brochette, le poulet, la pizza, et la petite plancha. Voilà. Après, donc, trois brûleurs avec les barres pour récupérer les graisses. Exactement. On est sur de la double paroi. On est sur de la double paroi, ici. Regardez, double paroi. Le thermomètre, évidemment. Le porte-accessoire sur le côté. Mais alors, la grosse nouveauté, Emmanuel, c'est, tu me disais que donc ça, on va pouvoir le trouver en 2020. Exactement. À partir de mars. À partir de mars. Et, qu'est-ce que tu m'as dit, le prix? On est aux alentours de 500 euros. On est aux alentours de 500 euros. Non, mais attendez, vous avez vu, aux alentours de 500 euros, vous avez un brûleur céramique, vous avez des grilles en fonte, des accessoires, une super table inox, vous avez le porte-accessoire, les boutons, la lumière, et c'est la première fois sur un barbecue, on va dire en gamme moyenne, quoi. C'est pas du haut de gamme à 2000 euros, etc. Exactement. On est sur un barbecue de gamme moyenne avec un brûleur, donc vous allez faire pareil, pouvoir faire de la cuisson indirecte et finir en snackant vos aliments ici. Exactement. Ou alors sur la plancha là-bas, sur du 4 feux et sur du 6 feux aussi. Le 6 feux est de l'autre côté, okay. Exactement. On va faire un petit tour. Ah, le 6 feux, il est gigantesque, hein, par voilà. contre. Le 6 feux combine en plus un feu latéral gaz. Voilà, feu latéral ici et le brûleur céramique ici. Et tu en as un dans le et le brûleur postérieur. Exactement. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Et puis là, regarde, ça fait vraiment les cuisine tiroirs, avec ça. Les tiroirs, là tu as le placard. Et ici, nous avons la bouteille de gaz. La bouteille de gaz. Si tu peux venir juste ici, voilà. Comment c'est installé? Facile d'accès. Vraiment top. Voilà. Ok. Bon, bah écoute. Hop. C'est une belle cuisine. Ouais, c'est une belle cuisine d'extérieur. Bah, c'est ce qu'on demande comment ça s'appelle? C'est ce qu'on demande vachement maintenant au barbecue d'extérieur, c'est qu'on puisse faire plein de choses. Quoi. Possible. Ouais. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup, Emmanuel. Et j'ai vraiment hâte de. Pourquoi pas tester ce barbecue, quoi. Et puis, on me demande très souvent, voilà, Rafa, j'ai tant de budget, j'ai pas forcément 2000 euros ou quoi à mettre. Et ben, on peut trouver dès 2020 des barbecues à 500 euros environ. Exactement. Avec qui font vraiment cuisine d'extérieur, comme on a vu tout à l'heure avec le brûleur céramique. Très bien. Regardez-moi ce magnifique stand de chez Ophir, donc les planches à bois. Et alors aujourd'hui, je suis avec Hans. Salut Hans. Tu vas nous proposer tu vas nous présenter un tout nouveau objet pour la fin d'année. C'est le Table O. Table O, exactement. Table O, allez, présente-nous un petit peu. Regarde, on est à table, comme ça. Et du coup, ce qui est hyper sympa, c'est que bien qu'on soit à table, on peut profiter d'une belle plancha. Explique-moi tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Oui, donc nous lançons cette année une nouveauté qu'on peut mettre au milieu d'une table. Ouais. Où les amis, la famille peuvent cuisiner ensemble avec un appareil central
première plancha ronde en fait. Ouais, plancha ronde. Ouais, qui est assez innovateur de ce point-là déjà, ouais. Côté design. Et on peut en fait. Ah, ça, le design, on a l'habitude hein, chez Ophir, hein, c'est ouais, vraiment merci. Joli. Merci. Et alors, explique-moi, du coup, tu as. Oui, en fait, on a une plaque en fonte. On peut enlever, bien sûr. Ouais. On a un arrivage d'air sur les côtés avec la clé qui est fournie. On peut donc tourner. Ouais, donc ouvrir. La clé pour ouvrir, ouais. Ok, et pour enlever la planche. Après, on met quelques allume-feuilles. Donc, dans la cheminée, ouais. Cheminée d'allumage, on utilise ou on préconise, nous, des briquettes de coco. Des briquettes de coco, ok. 12 et 14, c'est suffisant. Et en 20 minutes, en fait, c'est chaud. C'est-à-dire que 12 briquettes de coco, après, on va pouvoir les renverser, puis ça va nous chauffer exactement. L'ensemble de la cuve, là. Exactement. Super. Après, tu peux le voir en route à l'extérieur, hein, où on a une démonstration. Ok. Après, dès que c'est chaud, tu vas verser les briquettes. Ici. Tu les dispatches un peu dans ton tableau. Ouais. Tu reprends la plaque. Tu choisis quel côté que tu veux mettre en avant. Le côté. Alors toi, tu es le côté strié. J'aime bien ça pour marquer la viande. Moi, je suis team à plat, mais on va continuer comme ça. Ah, continue comme ça. Après, il monte en température entre 200 et 250 degrés. Ouais. Il reste longuement chaud. Regardez la qualité. C'est ça, super c'est qualité. Fonte. Combien ça pèse ça? Mon sable pèse presque 20 kg. 20 kg, ouais. Donc il faut être un peu costaud quand même. Mais ouais, c'est mais pas c'est un de appareil, la super qualité, on est chez Ophir. On peut le mettre. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est quand tu m'as présenté, c'est que entre ici et là, c'est pas la même épaisseur de fonte. Donc quand vous posez sûrement la question, où vont les jus? Et bien tout simplement, ils redescendent ici et donc ça facilite le nettoyage et ça ne va pas dégouliner. En fait, ce n'est pas plat, c'est-à-dire que c'est très légèrement incurvé et la chaleur incurve encore plus la planche et donc ça va faire diminuer ça. Okay. C'est une nouveauté pour les fins d'année, ça permet de créer de nouveaux moments ensemble, en famille. Ouais. Pas debout autour d'une feuille, mais assis en fait, autour d'une table. Voilà, on est tous assis là. On a le même cuisson sain en fait, hein. On ne cuit pas directement sur les braises, sur une grille, mais sur une plaque. Ouais. Et là c'est vachement convivial, mais déjà le Ophir, quand on voit là-bas, c'est hyper convivial, les gens se mettent autour, on peut faire plein de choses, enfin moi j'adore. Et là, il y a le modèle de table. Super, allez. 2, 4 ou 6 personnes. 2, 4 ou 6 personnes. Allez, on va déguster tout ça. Ciao, salut, merci Hans.